suis venu ici au Maroc parce que je suis persuadé qu'on peut sortir par le haut de la crise du boycott envers la marque centrale Danone, et en particulier sur le lait pasteurisé frais central, qui est un lait qui est un produit qui est dans les familles marocaines tous les matins. J'ai eu des discussions avec un certain nombre de consommatrices aujourd'hui, de mamans, de boycotteurs, de blogueurs, de jeunes, d'éleveurs également, et je suis persuadé que l'attachement à la marque est important. Mais simplement, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge parce qu'il y a des attentes fortes à l'égard de cette marque, d'accessibilité en prix, de qualité, de transparence. C'est à ça que je me suis engagé ce soir, et donc mon engagement, c'est que dans les semaines qui viennent, on travaille avec l'ensemble des consommateurs, l'ensemble des épiciers qui le souhaiteront. C'est un appel que je leur lance à venir avec nous définir ce qu'est le juste prix pour cette marque. C'est-à-dire un prix qui lui donne, qui donne accès au maximum de familles possibles à la marque centrale tous les matins en lait frais pasteurisé, et en même temps qui protège le revenu des éleveurs qui produisent ce lait tous les jours. Pour aider ça, Danone s'est engagé à ce que, si ça marche, nous ne fassions pas de profit sur le lait central pasteurisé. Nous ne réaliserons pas de profit. On travaillera à prix coûtant pour assurer le fait que le prix soit aussi abordable que possible. On s'est engagé aussi à la transparence, de façon à ce que les consommateurs comprennent, puissent mesurer dans le temps comment nous travaillons, les coûts que nous supportons pour assurer la qualité de ce produit qui doit redevenir le lait préféré des Marocains et des Marocaines.